Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumboudi pour ne rien manquer. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans emparer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jules Alinge Tekei est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit M. l'inspecteur général, chef de service. De son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katembe, également reçu dans la même soirée de ce mercredi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux, en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolue l'époque où le domaine de la sous-traitance échappait au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national. Le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumboudi pour ne rien manquer. Alors, le champion d'Afrique, comment ça va? Présent à Kinshasa, suite à l'invitation de son homologue Vital Kamerhe pour participer à la cérémonie inaugurale de la session parlementaire de septembre 2024, l'honorable Adama Bick Togo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reçu ce lundi soir par le chef de l'État. Le speaker du Parlement ivoirien était porteur d'un message de salutation fraternelle du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à son homologue et frère congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Parce qu'il recevait ses frères de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Devant le parlementaire congolais ce lundi, Adama Bick Togo a rassuré du soutien de son pays au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le soutien que mon homologue Bick Togo a apporté à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres États présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui, il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux dignes et légitimes élus du peuple, il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a été désigné par tous les présidents de parlement francophones pour conduire une grande délégation dans les pays africains en situation de crise sécuritaire, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, afin d'y apporter la contribution de la diplomatie parlementaire. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumboudi pour ne rien manquer. Nous, députés provinciaux de 26 provinces de la République démocratique du Congo, de la législature 2023-2028, réunis au sein du collectif pour la défense de ce qui est des droits des honorables députés provinciaux,
Réunis en date du 18 septembre 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour évaluer la situation sociale des élus provinciaux. Avons analysé avec intérêt la situation sociopolitique de nos provinces et dénonçons ce qui suit. 1. La violation grave et flagrante du projet de la décentralisation contenu dans la Constitution du 18 février 2024, telle que modifiée à ce jour par les animateurs actuels des institutions du pouvoir central. Le projet qui avait pour vocation le développement intégral de l'ensemble de notre pays et non seulement de la ville de Kinshasa, devenu la seule priorité de tous les animateurs des institutions du pouvoir central, ayant comme conséquence la concentration de tous les projets d'investissement en faveur de la seule ville de Kinshasa, l'exode rural à outrance, la misère généralisée des Congolais vivant dans l'arrière-pays et l'absence totale de la politique du social en faveur de tous les Congolais. 2. L'absence de la rubrique des émoluments des honorables députés provinciaux dans la loi de finances, ce qui dénote de l'absence de la volonté des animateurs actuels de promouvoir la décentralisation, l'éveil de tous les Congolais, ayant pour conséquence l'absence totale du paiement des élus provinciaux et de la rétrocession. 3. L'absence également de la rétrocession des institutions provinciales, ce qui viole gravement le principe de la retenue à la source de 40% et de l'application stricte de la caisse de la péréquation et du paiement effectif et régulier des frais de fonctionnement des assemblées provinciales. Sollicitons par conséquent ce qui suit. 1. Le paiement des émoluments des mois de mars, avril, mai, juillet, août et septembre 2024, dont les dossiers complets sont sur la table du ministre des Finances. 2. Le paiement des frais d'installation des députés provinciaux exercice 2023-2028. 3. Le paiement de la session inaugurale dite extraordinaire. La population congolaise en général comprendra que depuis le début de cette législature, les assemblées provinciales n'ont jamais été payées. Pour ce, le collectif sollicite l'implication personnelle de Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, du président de la République, chef de l'État, le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, et de la Première ministre, chef du gouvernement, pour le paiement de nos émoluments. Par conséquent, dépasser les délais de 48 heures, le collectif des honorables députés provinciaux se verra dans l'obligation de procéder à l'organisation d'une série d'actions de grande envergure, notamment l'organisation de marches de protestation des honorables députés provinciaux avec leurs électeurs, et ce dans tous les chefs-lieux de province. 2. La déstabilisation de toutes les institutions provinciales. 3. Le boycott de la rentrée parlementaire de septembre 2024 jusqu'au paiement effectif des émoluments et de l'insertion de la rubrique émoluments des députés provinciaux dans la loi de finances 2025. Faite à Kinshasa le 18 septembre 2024 pour le collectif honorable Blanchard d'Akatela. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumboudi pour ne rien manquer.